1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test. This Houston, contact with the test 1. Roger, gear lock, clear here. Nous sommes ravis d'accueillir sur notre plateau quelqu'un que vous connaissez peut-être, dont vous avez entendu parler, mais que personne ne connaît réellement, Monsieur Mirko Bischoff-Berger, chef de Mediacom à l'EPFL. Salut Mirko, ça va ? Ça va très bien. Bon Mirko, comment s'est passé votre voyage ? C'était électrisant. Électrisant, carrément. Bon, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir sur notre plateau, hein, depuis Merci. Le temps qu'on en parle. Bon, ce sera sûrement la seule fois que je prononcerai votre nom de famille, hein, parce que j'ai eu assez de mal comme ça. Tu peux me tutoyer, tu sais. Ah, d'accord. Bon, bah, tant mieux. Donc voilà, mesdames et messieurs, ça, c'est le chef de Mediacom de l'EPFL. Je suis étudiante. Bon, toi aussi, finalement, tu as été étudiant Exactement. De l'EPFL, des THZ, puisque tu as fait ton bachelor et master en biologie moléculaire à Zurich. Exactement, l'EPF Zurich. Et puis après ton doctorat à l'EPFL, campus terrestre bien entendu. Exactement, là-bas. Bah, ma première question, ce serait comment un scientifique comme toi a-t-il changé d'orientation ? Bah, c'est une bonne question. Moi j'ai toujours eu un grand intérêt pour la communication. Ça commençait déjà au lycée, j'écrivais, je faisais des activités. J'ai écrit pour le plus grand journal en Suisse avant de faire la thèse ici à l'EPFL. Donc j'étais journaliste scientifique en parallèle que thésard. Et après, pendant ces années, je faisais aussi beaucoup d'événements autour de la science, de la politique, de la communication. Et donc, petit à petit, je me suis retrouvé, après des étapes, dans ce monde de la communication. Donc la question pourrait aussi être comment quelqu'un qui s'intéresse autant pour la communication, de la science, étudie la science. Mais évidemment, il faut connaître les bases. Mais est-ce que tu dirais que ton cadre familial t'a aussi influencé dans ce choix ? Monsieur Chandra, j'attends votre réponse. Le temps me manque pour t'expliquer tout en détail. Certainement aussi, oui. Moi, je viens d'une famille de migration. Donc, ma grand-mère est italienne du sud, où c'était très pauvre. Il y avait encore la malaria quand on était jeune. Et donc, elle est partie vers la Suisse. Et à cause de cette circonstance, elle n'a eu que 2 jours d'école. Elle a fait le premier jour et après, le père a trouvé c'est mieux d'aller travailler sur la ferme. Donc, elle ne sait ni lire ni écrire. Et donc, moi qui ai pu profiter de tout ce système éducatif et académique suisse, j'ai très fort toujours l'envie de redonner en arrière, d'expliquer et de communiquer. Donc, c'est tout ce que j'ai appris. Mais comment est-ce qu'on communique finalement avec quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire ? C'est pas évident, non ? C'est pas évident et c'est une bonne question parce que je trouve qu'aujourd'hui on a une approche très top-down, je dirais. Donc on explique comment fonctionnent les choses, qui est quelque chose qui est sûrement nécessaire. Mais je crois aussi qu'il faut encore plus investir dans l'échange, dans la discussion, dans la confiance. Donc je crois que certains gens n'ont pas nécessairement besoin de comprendre comment fonctionne la science, aussi évidemment, mais aussi d'être en contact avec les scientifiques. Parce que si on connaît le médecin, on s'est fait opérer. C'est pas nécessaire toujours que le médecin t'explique l'opération dans le détail. Je crois que c'est similaire. Donc, d'avoir une astrophysicienne, d'avoir une biochimiste dans la famille, ça change un peu dans ma famille la perception de la science. Et donc, je crois beaucoup à cet échange physique aussi. Toi, tu utilises certains moyens de communication un peu innovants ? Aussi, oui, je fais ça aussi. Évidemment, donc, avec Mediacom, on innovant, dans le sens on fait tout du social media jusqu'à maintenant communiqué de presse, conférences de presse. Innovant, peut-être c'est dans le sens qu'on a commencé maintenant à faire des conférences de presse en ligne que virtuelles. Après, dans la vie privée, je fais aussi un projet depuis 4 ans qui essaie d'utiliser le crowdfunding, donc le financement participatif, pour promouvoir à nouveau la communication de la science. L'idée, c'est que de jeunes, souvent étudiants, peuvent acquérir de l'argent pour leur projet en expliquant ce qu'ils font à un grand public. Et donc, ce n'est pas vraiment du crowdfunding, mais en fait, c'est du communication aussi. Et ça marche très bien. Il y a pas mal d'étudiants qui ont participé, aussi de l'EPFL. Et ouais, c'est un joli projet. Donc, la communication pour toi, c'est quelque chose de personnel ? Oui, exactement. Comme je disais avant, c'est très personnel. Ça vient vraiment de mon besoin de retourner, de donner en arrière quelque chose. Bah, en tout cas, c'est super parce que nous, on va pouvoir plonger un peu dans ton monde grâce au logbook en direct de notre base lunaire. EPFL ou ETHZ ?
Évidemment, EPFL. Suisse ou Italie? Disons cerveau suisse et cœur italien. Space Odyssey ou Interstellar? Space Odyssey. Bah écoute, je pense qu'on est ravis de ton choix de film, hein, ici sur la Lune. Très 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 bon choix. Et c'est super intéressant. Le cinéma pour toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur? Beaucoup. En fait, c'est mon hobby. Je sais pas comment on dit en français. Moi, j'ai toujours fait du cinéma, comme les autres font de la musique à la maison. J'ai toujours fait du cinéma dans les vacances. Moi, je passe mes vacances en faisant des films. C'est vrai? Ouais. Non, c'est top. Et tu as des exemples de films que tu as tournés? Teresa. Teresa. Bah oui, il y a plusieurs films. Ils ont été aussi dans des festivals assez bien en Suisse, à Soleure, au Neuchâtel, on a gagné des prix à New York. Donc wow. C'était toujours des petits films, des indie movies, low budget. Mais oui, j'adore et je suis en train de faire encore un nouveau projet avec le peu de temps que je trouve à côté du travail. Et tu peux nous parler peut-être un peu de ce projet, en quoi ça consiste? Avec plaisir, ça retourne un peu à ça que je disais avant par rapport à ma grand-mère, la migration, donc c'est l'Italie du Sud où aujourd'hui il y a beaucoup de migrants qui arrivent tout le monde et j'ai eu la chance de rencontrer un migrant qui vient du Sierra Leone, qui est venu avec les bateaux qu'on a tous vu dans la presse et ce migrant il est réalisateur aussi, donc on a commencé à faire un petit film ensemble, lui l'a écrit, on lui a aidé à le réaliser et en même temps on fait un documentaire sur lui, donc sur un migrant qui n'a pas papier, un sans-papier, qui essaie avec des autres migrants à faire un film fictif dans le centre des réfugiés. Donc tu voyages jusqu'en Italie du Sud pour tourner ce film? Bah je viens sur la Lune pour toi. Ah bah oui, c'est vrai, mais bon, ça se comprend. Donc voyons maintenant quelques extraits de ce projet. Donc c'est ça que tu utilises pendant ton extrait? Oui, oui, ça c'est une vraie clef de cinéma. Ouais. Wow, ouais. Génial. On n'en voit plus trop, non, maintenant? Ben, on l'utilise moins maintenant parce que c'est tout digital. Ça c'était vraiment pour d'un côté synchroniser le son et l'image. Okay. Et puis aussi pour avoir l'archivage de quelle scène. Aujourd'hui c'est tout écrit sur la caméra. Ah bah oui, maintenant. On arrive à aller sur la Lune, hein, donc Exactement. Il faut un peu d'avancée. Et donc toi tu es finalement un peu multicasquette quand tu réalises, réalisateur, producteur, comment, en quoi oui. consiste ton travail finalement? Bah exactement, bah, normalement réalisateur c'est une autre chose, c'est quelqu'un qui met la mise en scène, le producteur c'est celui qui produit, qui fait les finances peut-être en idéal, et puis le montage c'est quelqu'un d'autre, mais donc je disais mon cas, parce que je fais des petits films, il faut faire tout. Donc oui, je faisais la réalisation, la production, parfois même des petits rôles si je devais, je préfère pas. Là, j'essaie d'être moi-même. C'est ça. Bon, revenons peut-être avec un peu plus de sérieux au vif du sujet, l'EPFL, car tu es le chef de Mediacom, comme tout le monde le sait maintenant. Et ma première question, par rapport à ce sujet, parce que nous, sur la Lune, on ne connaît pas très bien, mais qu'est-ce que c'est Mediacom exactement? Mediacom, c'est un nom, une unité. C'est l'unité qui fait la communication institutionnelle de l'école. Ça veut dire qu'on fait toute la communication vers dehors, vers la presse, ce que vous voyez tous les jours sur le site web, les choses qui arrivent aux journaux. On traite aussi toute la presse vers l'interne, les requêtes, on communique vers les collaborateurs, vers les étudiants. Puis évidemment, on produit aussi pas que du contenu texte, aussi des vidéos, des événements. Et puis on fait aussi beaucoup de conseils par rapport à la présidence, à des risques des médias ou pas. Pour les étudiants aussi? Mais bien sûr, si vous avez des questions par rapport aux médias, la porte est toujours ouverte. On est là pour ça, on a beaucoup d'expérience, on a un team qui fait ça depuis 20-30 ans. Moi, je suis le plus nouveau, presque. Et après, on fait aussi des événements et on a aussi les alumni qui sont avec nous. Donc c'est un grand département, oui. Oui, c'est un grand département. C'est étonnant parce que nous, sur la Lune, on entend plutôt parler de Jamani, mais aussi de votre collaboration assez proche avec la RTS, plutôt qu'avec les étudiants en question. Exactement. Bah, les deux sont c'est deux sujets différents que tu approches là. Et Jamani, c'est la star, évidemment. Et Jamani fait toujours encore les meilleurs memes de tout le monde sur EPFL Meme. Et il fait part de Mediacom, donc you have to beat that, the students. Et la RTS, oui, c'était un bon sujet sur les memes aussi. Il y a un sujet derrière. Ben oui, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement du coup pour cette rentrée de cette année un peu particulière? Comment ça se fait que ce soit passé aux médias plutôt que par les étudiants? Emmanuel Barraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'EPFL. Alors, certaines universités ont mis en place des examens à distance. Pourquoi avoir tenu à cette session d'examen en présentiel?
Oui, bon, c'était il y a un moment déjà, mais donc, il y a quelques semaines, oui. Mais donc c'est un classique. Donc tu as des informations qui sont décidées à l'école, à l'intérieur, à la présidence. Il faut les communiquer vers le monde et on fait des plannings de communication qui commencent souvent avec les étudiants, les campus et puis le monde externe. Mais évidemment, le planning n'est pas toujours parfait. C'est ça qui fait le boulot très intéressant. Parfois, il y a des médias qui appellent et disent on a interviewé toutes les universités, on veut savoir où vous en êtes. Et donc là, on a aussi l'obligation qui, comme je disais au début, fait part de notre rôle de aussi répondre aux médias. Et on a donné certaines informations qui n'étaient pas encore communiquées à l'interne, c'était en train d'être préparé, et donc c'était un peu mal passé parce que c'était vu comme si on ne voulait pas informer, mais ce n'était pas du tout le cas, juste la presse était encore plus vite que les étudiants. Comment tu t'es retrouvé à la tête de ce service, de cette équipe qu'est Mediacom ? Donc je disais avant, j'ai fait la biologie cellulaire, moléculaire, et toujours eu un intérêt pour la communication, donc du journalisme à travers des étapes au journal, au Fonds national, au Parlement, toujours la politique aussi, la communication de la politique, de la science. Je suis toujours plus approché dans ce métier de communication de la science. Et je travaille pour le président depuis 7-8 ans. Donc j'étais déjà dans le système, si on veut, de l'EPFL. Et donc Martin Wetterli, c'était bien. Exactement, exactement. Et quand la personne qui faisait la communication est partie, j'ai repris. D'accord. Et tu aimes ton travail ? J'adore. C'est un travail 24 sur 7, parce qu'à nouveau, la presse ne dort pas. L'étudiant dort peu aussi, heureusement, c'est bien. Et donc, c'est parfait. Moi, je suis quelqu'un de très actif. J'aime bien quand il y a quelque chose qui se passe, et ça se passe beaucoup. Ça ressemble à quoi une journée, finalement, à ton poste ? Je bosse dur pour avoir du blé. Je bosse comme un damné. Oh, donnez-moi beaucoup de blé. Allez, je l'ai bien mérité. Bah, finalement, c'est quand même une journée classique dans le sens beaucoup de mails, beaucoup de séances, entre 6 et 12 séances par jour. Beaucoup d'emails encore le soir à finir. Et les séances, évidemment, c'est des projets à avancer, c'est des choses à résoudre, des décisions à prendre. Oui, donc tu as quand même le temps pourtant de répondre aux étudiants, parce que tu m'as répondu il y a maintenant un an et demi. J'ai encore cet idéal de finir tous mes mails tous les jours et arriver à zéro. Et parfois, ça me fait rester réveillé jusqu'à 1-2 heures. Mais oui, j'essaye de répondre à tout le monde. Donc si jamais quelqu'un m'a écrit, je n'ai pas répondu, écrivez encore une fois, je réponds. Comment ça se passe quand, par exemple, tu as une idée de projet pour la communication à l'EPFL ? Tu es très soutenu par tout ce qui est les autres instances au niveau de la vice-présidence, etc. Oui, j'ai l'impression d'avoir une grande confiance. Mais évidemment, j'ai fait ma stratégie. Donc, j'ai fait ce poste depuis presque 2 ans maintenant. Et quand je suis arrivé, je fais un dossier où je décris la stratégie de la communication que je propose. Et on a eu des discussions, on l'a validé, maintenant on va dans cette direction. Et ça, c'est très important aussi pour les collaborateurs, pour savoir où on va aller les prochaines années. Donc tu nous feras peut-être notre stratégie de communication pour la Lune alors. Exactement. Génial. Bah, comme quoi, il faut de tout hein, pour faire tourner une université comme l'EPFL et les THZ, je suppose. Et est-ce que tu as, pour conclure cette interview, un message pour les personnes qui nous regardent, donc les étudiants de la Terre ou de la Lune ? Comme je disais avant, j'adore les memes, ça nous fait beaucoup rigoler, ça nous entretient, mais en même temps, ça nous donne aussi des informations très valuables, très importantes pour nous. Mais à nouveau, the king of memes is still Germany, he's with us. Et puis l'autre, c'est aussi à toi, tu es une étudiante aussi. Et compliments pour cette show, pour que tu fasses ça. Je trouve une initiative très très belle et je suis très heureux que tu nous aies contacté pour t'aider à faire ça. C'est super. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de collaborer avec vous. Ce fut un long chemin, mais finalement, on y est, on est sur la Lune. Donc, Mirko, communication, Mediacom, cinéma et à l'écoute des étudiants. Donc, merci. Et profite bien de ton voyage sur la Lune, hein. Je crois que tu restes encore quelques jours. Est-ce que tu veux que je reste avec toi ? Non, il vaut mieux pour le succès de la mission que vous partiez. Avant ton retour sur Terre, donc profite. Merci. Et bonne rentrée. Merci. Et si vous aussi, vous souhaitez participer au Galactic Chloé Show et détrôner Jamani en tant que chief des memes de l'EPFL, vous pouvez nous envoyer vos memes personnalisés à l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous.